On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique Herbes Deal. Voilà, j'espère que je prononce bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un DP, une broderie et un petit accessoire. On va commencer par le petit accessoire. Bon, c'est la première fois qu'on en prend sur ces boutiques-là. Donc on verra ce que ça donne. Alors attendez, j'ai oublié de prendre un ciseau, mais je pense que ça devrait aller. Non, ça n'ira pas, bien sûr. Ah voilà. Hop. Bien sûr, il y en a des deux côtés. C'est le scotch. oui, donc j'en avais pas encore pris. Chouchou a voulu en prendre. Je dis, bah, allez, on y va, on verra. Bon, je vais y arriver, vous croyez? Alors, quand on a deux mains gauches, on les a. Hein, voilà. Alors, c'est une petite boîte comme ça. Et vous aurez reconnu, c'est du washi. Alors, ils sont super beaux. Je n'avais pas vu en détail ce que Chouchou avait choisi. Mais ils sont très, très beaux. Alors, je vous montre. Alors, attendez, on va se mettre face bureau, on les verra mieux. Voilà, c'est mieux. Hop. Donc, les voici. Donc, ils sont très, très, très beaux. On, Chouchou s'en sert pour le DP. Hein. Alors, je sais pas combien. Voilà. Ah, j'ai un nom qui est sale. Donc, je sais pas combien il y a de mètres, mais bon, c'est pas. Vous voyez, ça s'arrête là. Alors, est-ce qu'il colle bien? Non, déjà, trouvez le bout. Oui, ça va. Je sais pas combien il y a de mètres. Attendez, je vais essayer de regarder sur la tablette. Alors, c'est Herbes Deal. Le temps d'ouvrir mon email. Alors, tic, 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 tic. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Voilà. Hop. Allez. Ça arrive, hein, ça arrive. Vous inquiétez pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est marqué le nombre de mètres? Non. Non, c'est pas marqué. Bon, bah, tant pis. Comme indiqué. Ah, peut-être sur l'image. Alors, attendez. Comme indiqué sur l'image. Donc, on va. C'est en inch. C'est en inch. Alors, j'en sais rien. 78 inch. Je ne sais pas combien ça fait. Alors, excusez-moi, mais c'est parce que je veux vous donner le renseignement jusqu'au bout. Alors, inch. En centimètres, voilà. Alors j'ai dit que c'était environ 78. Hein. Bon, on va marquer 79 parce qu'il y avait une virgule. Ah, mais il y a 2 mètres. Ouais, il y a 2 mètres. Voilà. Donc vous avez 2 mètres de washi par ruban.
Voilà. Et donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous avez 12 rouleaux. Voilà. Je vous remontre les couleurs. Donc, très, très belles. Alors, ces washi, les 12 rouleaux sont au prix de 5,81 $. Alors, on va continuer dans le DP. Bon, je ne l'ai pas encore déballé, donc vous allez entendre du bruit, bien sûr. Voilà. Alors, je regarde tout de suite combien j'ai de couleurs. D'accord. Alors, comme d'habitude, on a un petit toolkit. On va avoir des perles en sachet zippées. Voilà. Alors, est-ce que vous allez toutes les voir? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Alors, attendez. Oh là 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 là! Deux mains gauches ce soir. Allez, hop. Donc ça va être normalement assez coloré. Bon. Voilà. Mais bon, je pense que vous allez aimer le dessin que l'on a choisi. Voilà. Mais il y en a, hein. il y en a. Voilà. Et le dernier, ce sera du noir. Voilà. Alors, je vais mettre tout ça sur le côté. Hop. Je rangerai après. Je vous dézoome. Alors, ceci pour faire cela. Voilà. Hop. Des chats, des minots, des peluches. Voilà. Ils sont trop, trop beaux. Voilà. Donc, des chats un peu multicolores. Plein de fifilles. Plein de fifilles. Voilà. Alors, on a 24 couleurs. Je vous montre au niveau de l'impression. Alors, c'est une toile pailletée. Oui. Ça colle bien. Bon, moi, je trouve... je dis souvent, les toiles pailletées... je vois pas trop à quoi ça sert, mais puisque de toute façon quand on les encadre on ne voit plus de blanc, là on voit plus parce qu'il y a les perles, et même si je mets dans un classeur je coupe le blanc, donc voilà. Ce DP, alors les chats colorés en 30-40 perles rondes est à 3,79 $.
Dernier article, donc vous voyez, c'est une broderie pseudo Joy Sunday. Alors, voilà le motif. Donc, c'est un motif que vous avez déjà dû voir hein, quelques fois. C'est les quatre saisons. Donc, c'est un 14 CT et ça mesure 54/22 en toile complète. Voilà. On va l'ouvrir pour le découvrir. Voilà. Je vous remontre sans le plastique. Donc voilà, les quatre saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver ici. Bien sûr, c'est un pseudo Joy Sunday, donc c'est un très joli patron. On va avoir du point de croix, on a 20 couleurs en point de croix. On a de la demi-croix, 2 couleurs, du point nœud, 5 couleurs en point nœud et 6 couleurs en point arrière. Voilà. Donc, le patron, le voici en 1, 2, en deux parties, oui, j'ai eu peur. Et il y a encore une petite partie ici. Sur le coup, je disais, mince, il me manque un morceau. Donc voilà. Donc bien sûr, toujours très bien imprimé. Hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez. Alors les points nœuds, ça va être ça. Hein, voilà. Il y en a là aussi. Voilà. Hop. Ici, on va avoir nos fils. Donc, combien de couleurs j'avais dit? En point de croix, il y en a 20 déjà. Donc, c'est les plaquettes que l'on aime bien. Vous avez vos deux aiguilles ici. Là, le numéro de la couleur, la référence DMC et le nombre de fils qu'il y a sur votre plaquette. Voilà, dont vous avez besoin pour broder. Là, par exemple, il y en a 14. Là, il y a 0,5. Mais vous avez bien sûr un fil complet de 6 brins. Voilà. Allez, je vous montre les couleurs en détail. Voilà. Jolie couleur. Voilà, elles sont très très belles. On va avoir une toile. Hop là. Alors, c'est assez bloc. Ouais, c'est bloc. Ouais, il n'y a que du bloc. Hein. Alors, il n'y a pas. C'est une partielle. Vous voyez, le fond blanc ne sera pas à faire. Non, elle est bien. Elle est bien, bien. Alors, si vous ne savez pas faire les points nœuds, vous pouvez broder des perles. Voilà. Ou alors, vous faites des croix et puis c'est tout. Hein. Non, elle est vraiment bien. Alors, je vous montre de plus près. Et au niveau de l'impression, il n'y a pas de souci. C'est alors moi ce que je regarde souvent, excusez-moi, je bouge, mais c'est pour la plier. C'est si les symboles sont bien imprimés au milieu. C'est alors. Alors ici. C'est limite, limite. Hein. Là,
c'est pas vraiment au milieu. Donc on va avoir un petit décalage quand on brode. Voilà, il y a des points de nœud. Ça dépend des endroits. Hein. Non, moi, ça... Bon, en général, ça va à peu près. Hein. Il y a quelques petits décalages ici. Mais bon, ça se rattrape quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est une jolie broderie, je pense, qui sera très belle une fois terminée. Elle est assez bloc. Voilà. Alors, ici, comme petit conseil, peut-être, vous voyez, vous avez tous les petits motifs dans un grand bloc. Je vous conseille de faire les petits motifs avant. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Là, bon, les points de nœuds, non, puisqu'il faudra les faire après, ou alors avec des perles. Mais mes petits motifs là, qu'il y a là aussi, je vous conseille de les faire, mais avant de faire tout le bleu là. Voilà. Non, sinon, elle est rigolote, elle est bien. Alors, cette broderie, j'ai mis. Attendez, mon carnet est enfoui. Il est enfoui. La broderie 4 saisons, 14 CT en 54, 22 cm est à 9,99 $. Ben écoutez, moi, je remercie beaucoup la boutique Herbest Deal. Il n'y a pas longtemps hein, qu'on fait des partenariats avec eux, mais j'aime beaucoup. Ils sont très sympathiques et il y a du choix, voilà, chercher sur leur boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je ne sais plus si j'ai un code promo avec eux, je vérifierai et si j'en ai un, je vous le rajoute. De toute façon, vous retrouvez en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires si vous voulez passer commande chez eux. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.